La troisième édition du Salon de peinture du Congo, couplée au troisième anniversaire d'existence du musée Cercle africain, a été lancée mardi 21 décembre 2021 à Pointe-Noire. À cette occasion, Alphonse Chardin-Cala, président du comité culturel du musée Cercle africain, a bien voulu circonscrire l'événement. Le Salon de peinture du Congo, dont nous célébrons aujourd'hui la troisième édition, trouve sa condition de possibilité dans l'histoire d'un accompagnement annuel de l'anniversaire du musée Cercle africain, inauguré, faut-il le rappeler, le 3 décembre 2018. C'est ainsi qu'en cette même année de son ouverture au public, eut lieu la première édition qui compta 30 artistes peintres de Brazzaville et de Pointe-Noire. Le Salon de peinture du Congo devint alors l'unique événement du genre en République du Congo. En décembre 2019, se tint la deuxième édition au cours de laquelle 33 artistes peintres de Brazzaville et de Pointe-Noire exposèrent en moyenne 132 tableaux dont les visiteurs applaudirent vivement la qualité. En 2020, le coronavirus vint nous imposer son diktat. Mais si le silence s'était abattu sur le musée Cercle africain, il n'en fut pas le cas dans le cœur et l'esprit de nos artistes peintres qui se préparaient, attendant, patients et rassurés qu'il leur soit annoncé la tenue de la troisième édition du Salon de peinture du Congo. Quelques activités comme le conte avec Jorus Mabiala et le slam avec Jeff Biyeri étaient au rendez-vous de cette soirée, ayant rassemblé plusieurs artistes peintres de Pointe-Noire et de Brazzaville. De fil en aiguille, des diplômes ont été remis aux artistes ayant participé à toutes les éditions. En sa qualité de représentant du président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville empêché, le conseiller socioculturel Mbumba Madiela a prononcé le mot d'ouverture en ces termes. Et à l'occasion de cette troisième édition du Salon de peinture du Congo, il souhaiterait voir cette œuvre se pérenniser, voir cette œuvre marquer positivement l'histoire culturelle de notre ville et de notre pays. Pourquoi ? Et pour faire court, je voudrais en son nom déclarer ouverte la troisième édition du Salon de peinture du Congo, couplée au troisième anniversaire du musée Cercle africain. Je vous remercie. Au final, les participants à cette cérémonie d'ouverture de cette troisième édition du Salon de peinture du Congo, sous le thème « Confinement, Kofi Nama, entre vie et Covid », ont eu droit à une visite des œuvres de peinture des artistes. Pour votre gouverne, la troisième édition de ce salon, ayant débuté le 21 décembre 2021, prendra fin le 20 janvier 2022.